C'est entouré d'une trentaine de livres et avec un haut comme ça et sa vibes très famille adamesque qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. Salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui comme promis pour ma sélection, ma pile slash pioche à lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Évidemment que ça va être une pioche à lire parce que je n'ai pas la prétention de réussir à lire la trentaine de livres que j'ai sélectionnés. Je sais très bien, je me connais très bien. Surtout en ce moment, j'ai un rythme de lecture relativement lent. Je suis plus escargot que sais-je. Et du coup, voilà, mon but, c'est vraiment de piocher. J'ai adoré faire cette sélection. J'ai adoré bah, forcément m'inspirer des catégories de guillemots et de ces mots-clés pour choisir des livres dans ma bibliothèque. J'ai aussi ajouté quelques livres qui ont rejoint mes étagères le week-end qui vient de passer. Et puisqu'on est aujourd'hui le 20 septembre, que je publie ma pile assez tardivement, il faut savoir que je l'avais déjà filmée, mais que j'étais pas du tout contente de ce que j'avais fait. Donc je la refais aujourd'hui et grand bien m'en a pris puisque j'ai des nouveaux bouquins que j'ai pu mettre dans des catégories. Donc tout ça pour dire que j'en ai déjà lu quelques-uns, notamment des romans graphiques. Trêve de blabla, on y va? Alors, on va commencer tout de suite, avant le premier tableau, par s'équiper parce que mes mains me font atrocement mal et que sans mes trusty assistants, je n'y arriverai pas. Ce qu'on va faire pour cette vidéo, pour éviter qu'elle ne dure beaucoup trop longtemps pour vous et pour moi à monter, c'est que je vais vous écrire le nom de la catégorie et les mots-clés. Je vais citer le menu, la catégorie, mais les mots-clés, je vous les mettrai en bas, à côté de moi, par là ou par là, je ne sais plus. Donc pour ce qui est du premier tableau, automne frissonnant, pour rappel, la première catégorie est toujours Viens flotter avec nous en référence à ça de Stephen King. Ici, j'ai choisi de faire la relecture du Cinquième Règne de Maxime Chatham. Personnellement, c'est du Chatham que j'aime. Je l'ai lu il y a 10 ou 11 ans, donc ça remonte, et je fais très peu de relecture. Et c'est vrai que celui-ci, ça fait plusieurs mois, voire même ouais, une bonne année, puisque j'y ai pensé à la même période l'année dernière, puisque c'est toujours à cette période-là que j'ai envie de lire des livres un peu creepy et tout ça. Donc ça fait à peu près un an que j'ai envie de le relire et je me suis dit, tiens, allez, on va y aller. Donc je l'ai commencé, j'en suis à 86 pages parce que évidemment, je suis un gros escargot en ce moment. Mais grosso modo, on va suivre un personnage adolescence, il a 15-17 ans, et tout un groupe d'amis à lui qui vont devoir faire face dans leur ville d'Edgecombe. C'est un peu la ville américaine préférée de Maxime Chatham, créée de toutes pièces, je ne sais plus si elle existe ou pas, je ne sais plus. Ils vont devoir en fait faire face à une figure du mal absolu, non pas un démon, mais bien un être humain qui se croit doté d'une mission divine et qui est complètement fou et qui, il va un peu trucider des gamins, âme sensible peut-être s'abstenir, je ne sais plus si on a les détails, je sais juste que j'en avais gardé quelque chose de très mi-violent, parfois un peu compliqué, mais pas du tout du Chatham qui est vraiment trop difficile comme dans la trilogie du mal, si vous l'avez lu ou si vous avez comme moi essayé de la commencer il y a quelques années. Je me suis arrêtée honnêtement au tout début du premier tome parce que c'était too much pour moi. C'était vraiment trop violent pour moi. Je me souviens juste que j'avais adoré ce livre et que il me fait très envie. Là, on cale complètement au mot-clé, c'est du sanglant. C'est de l'horreur quand même, ça fout les jetons, c'est du gros thriller, on y est quoi. Mais dans cette catégorie, j'ai aussi très envie de lire soit Donato Carisi, Je suis l'Abysse, soit le bien connu Amtramgram de M.J. Aldridge. Je suis très curieuse de le lire, par contre il me fait un petit peu peur parce qu'il a l'air très psychologiquement costaud et prenant et violent, mais on y suit une jeune femme qui émerge de la forêt et qui a été retenue captive un temps avec une autre personne et qui raconte
ce qu'elle a vécu et ça paraît complètement invraisemblable. Et au fur et à mesure des jours, on va avoir des paires comme ça de victimes qui vont être enlevées. Et on va mener l'enquête. On va retrouver l'inspectrice Hélène Grace qui visiblement connaît déjà la part d'ombre de l'être humain et qui va diriger l'enquête. Et visiblement, elle va se rendre compte que les survivants détiennent peut-être la clé de l'énigme. On est quand même complètement dans du thriller bien prenant comme ça. Et Donato Carisi, je ne l'ai encore jamais lu. J'en ai entendu parler par Stéphanie de Pikiti Bookin. Celui-ci, c'est Je suis l'abysse. Et il me fait aussi très très peur parce que on va être visiblement dans la tête d'un tueur, d'un homme complètement dérangé qui a subi des sévices dans son enfance de la part de sa mère et qui est adulte et devenu éboueur. Et il en profite en fait, en ramassant les ordures, il en profite pour fouiller la vie comme ça, les déchets, donc la vie des personnes dont il ramasse les dites ordures, et notamment les femmes. Et on va aussi croiser la chasseuse de mouches qui, elle, est enquêtrice et tente de protéger les femmes en péril, et elles sont nombreuses, surtout quand cet homme qui nettoie s'intéresse à elles. Donc je pense qu'il rentre très très bien dans la catégorie et qu'il est bien creepy, bien flippant le mec. Donc voilà, on verra lequel je lis des deux. Et si le cœur m'en dit, je continuerai ma lecture, enfin mon écoute audio de ça, de Stephen King, que j'ai commencé, mais tout juste commencé au printemps, je crois. Je crois que c'est au printemps. Et je l'avais arrêté parce qu'on n'était vraiment pas dans la bonne saison pour moi. Et c'est un livre qui me fait quand même méga peur. J'ai ma copine d'amour Cécile qui, comme beaucoup, me dit l'avoir adoré quand elle l'a lu quand elle était plus jeune. Parce que visiblement, on a du Stephen King où les relations et les relations amicales entre enfants sont hyper bien dépeintes. Donc écoutez, on verra lors du bilan de ce pumpkin si j'ai également écouté ça en audio. Je bois un petit coup, je vous invite à en faire de même. Et on passe à la deuxième catégorie qui est l'enfer des backrooms. Ici, j'ai choisi, j'ai mis dans ma pioche trois livres. La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, Stern, et non pas Stein, parce que je veux toujours dire Stein. Qui est un livre sur un jeune homme qui découvre une bibliothèque un peu étrange dans son université. Il y découvre un livre qui dépeint mot pour mot, sensation pour sensation, image par image, ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. Visiblement, on y parle d'une porte que si on la franchit, on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas. Il n'avait pas osé ouvrir cette porte quand il était plus jeune. Est-ce qu'il va saisir cette seconde chance de prendre par un labyrinthe de mots et d'histoires le chemin de la mer sans étoiles, un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. Je trouve quand même qu'on colle bien à cette vibe monde parallèle, dimension parallèle, labyrinthique, cryptique peut-être, mais plutôt labyrinthique. Donc j'ai espoir de lire celui-ci. Et je choisirai, je ne sais pas lequel, si j'arrive à tout lire, hein, bien sûr, un des deux Murakami que je n'ai encore jamais lu, Kafka sur le rivage et La fin des temps. Les deux me font envie, je n'ai lu de Murakami qu'un seul petit ouvrage et j'ai très envie de le découvrir dans des gros ouvrages. J'aime énormément les plumes oniriques, poétiques, un peu lyriques. Voilà, j'adore ça, c'est quelque chose qui me cueille à chaque fois. Du coup, écoutez, on verra si j'arrive à lire un de ces deux Haruki Murakami. Pour ce qui est maintenant de la troisième catégorie, Perfectly Splendid, qui fait référence à The Haunting of Bly Manor, série d'amour, mon Dieu, mais d'amour, d'amour, d'amour. J'ai choisi 1, 2, 3, alors une écoute déjà c'est sûr, qui est Du thé pour les fantômes de Chris Vuskevic, je ne me rappelle plus le nom correct de la personne, de l'autrice, et je m'en excuse. J'ai décidé de l'écouter en audio sur Nextory. On y parle grosso modo de deux sœurs qui ne se sont pas parlé depuis 30 ans, qui se retrouvent suite à la mort de leur mère. Une est sorcière, l'autre est passeuse de mort.
passeuse de fantômes, pardon. Et le fantôme de leur mère n'est pas chez elle, là où il devrait être. Elles vont comme ça enquêter pour le chercher, elles vont être obligées de se reparler et elles vont apprendre des choses sur leur mère de par les personnes qu'elles vont côtoyer pour la retrouver. Et on parle aussi ici d'une rancœur qui peut y avoir parce qu'une des deux a toujours été plus aimée que l'autre. Pourquoi? Voilà, c'est un bouquin qui me fait très envie. En plus, il se passe visiblement dans ma région, donc je suis absolument ravie. J'ai aussi décidé de continuer L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Si vous ne connaissez pas cette histoire, n'ayez point honte parce que l'année dernière je l'ai découverte, moi aussi je ne la connaissais pas, mais c'est un classique de l'auteur. Et donc l'auteur, pour rappel, c'est celui qui a créé Le Marchand de Sable. Et c'est un classique aussi halloweenesque, il a l'air d'une douceur incroyable, j'ai déjà commencé à le lire. Ici on suit Nobody Owens qui grosso modo est un enfant de 2 ans quand sa famille se fait complètement massacrer et liquider à son domicile. Il aurait dû mourir, il profite de la porte ouverte pour se casser et il rejoint le cimetière qui est proche de chez lui. Et les fantômes de ce cimetière vont décider de le protéger et de l'élever comme leur propre enfant. On a visiblement un couple qui l'élève comme leur propre enfant et puis lui va côtoyer au fur et à mesure des années uniquement des fantômes, quasiment uniquement des fantômes, et mais l'ombre du tueur plane toujours. Est-ce qu'il va sortir de ce cimetière et de cet univers hyper sécurisé pour lui? Très sûrement. C'est un bouquin qui est beau, tout doux. L'écriture, je me souviens, elle me plaisait énormément. On a à chaque chapitre une petite illustration comme ça. Quoi vous dire de plus? Lisons ce classique de Neil Gaiman. Et enfin, je lirai très sûrement, et si je n'ai pas le temps pendant cette période, je le lirai un petit peu plus tard, un bouquin que j'ai pris à ma copine Olive sur son Vinted, comme le Amstrad Graham, tout ça. Le monde secret de Sombre Terre, Le Clan perdu, c'est un jeunesse. Si vous n'avez vu encore aucune de mes vidéos précédentes, depuis un petit moment, j'achète comme ça des jeunesse pour les lire et pour constituer une petite bibliothèque pour le petit tout à la maison, pour qu'on puisse, au fur et à mesure de sa découverte et au fur et à mesure qu'il arrive un petit peu mieux à lire, il a appris à lire seulement l'année dernière, mais il se défend plutôt bien, donc c'est cool. Qu'on puisse partager sur les livres qu'on aura lus en commun tous les deux et qu'on puisse aussi aborder des sujets qui sont importants, voilà, à mon sens. Donc ça, c'était pour la troisième et dernière catégorie de ce premier menu, Automne frissonnant. On passe maintenant à Automne, douceur de vivre. La première catégorie est toujours Something Wicked This Way Comes de Ray Bradbury, donc en référence à la Foire des Ténèbres de cet auteur. J'aimerais bien la lire ou l'écouter cette année, donc on verra, je pense peut-être plus l'écouter que la lire sur Audible. J'ai choisi aussi dans cette catégorie de lire L'Arbre d'Halloween, qui est juste ici, toujours de Ray Bradbury, qui est cette petite beauté. J'adore, on a un arbre, des couleurs très automnales et des petites jack-o'-lanternes dans les arbres. Ici, on suit pour Halloween un groupe d'enfants qui se donne rendez-vous à un endroit pour aller faire la tournée des maisons. Un d'entre eux, Joe Pinkin, n'est pas là. Il le cherche partout. Il rencontre un vieil homme comme ça dans une maison dite un peu hantée. Qui va leur dire, eh bien, écoutez, venez avec moi, on va le retrouver. Et au fil des chapitres, on les suit de ville en ville, de pays en pays, à la recherche de leur ami disparu. On nous dit, ainsi peut-être Tom et ses amis retrouveront-ils leur copain Joe et perceront-ils les secrets de l'arbre d'Halloween. On a ici un conte fantastique et poétique, tout l'univers de Ray Bradbury, enfance, voyage, automne, mort. On retrouve également le talent qui en a fait l'un des plus grands auteurs du XXe siècle. Et c'est avec ce bouquin que je découvre Ray Bradbury, je l'ai déjà aussi entamé. On est par contre là, je pense, contrairement à La Foire des Ténèbres, dans du poétique et du style vraiment très particulier. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais si vous aimez voilà, ces envolées poétiques un petit peu, je vous le conseille parce que c'est un peu un livre à part. La deuxième catégorie de ce menu est toujours
poupée de souvenirs automatique à votre service. Les mots-clés s'affichent par ici pour vous. J'ai choisi par rapport à épistolaire, correspondance, sentiment aussi, amour, ce livre que je ne connaissais pas, que j'ai reçu quand j'étais encore abonnée à la Cube Poche, qui est Un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong. Donc là, on est chez Folio. Ici, on suit un garçon qui écrit une lettre à sa mère, qu'elle ne lira jamais. Sa maman est née d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne. Elle est analphabète, elle parle à peine anglais et elle travaille dans un salon de manucure. Elle est le produit du coup de cette guerre complètement oubliée, qu'on veut bien oublier. Le fils, en gros, il refuse ce silence et il retrace leur histoire familiale. On nous dit avec une urgence et une grâce stupéfiante. Sa grand-mère traumatisée par les bombes, les points durs de sa mère contre son corps d'enfant, son premier amour marqué d'un saut funeste, mais aussi la tendresse et les rires, la découverte du désir, de son homosexualité et plus que tout du pouvoir rédempteur des mots. Il a l'air incroyable, il a l'air d'une beauté et aussi d'un tragique sublime. Donc celui-ci, je compte bien le lire et je compte aussi enfin lire, un peu dans le même genre. On parle aussi de répercussions de guerre, mais là on est en France et on parle donc de la répercussion de la Seconde Guerre mondiale. La carte postale d'Anne Béret ou d'Anne Berest, je ne sais pas comment se prononce le nom de cette auteurice, chez Grasset. Il me fait envie depuis qu'il est sorti l'année dernière et je ne l'ai toujours pas lu. Tout va bien. C'est l'histoire de la famille de l'auteurice. Elle va un jour recevoir une carte postale avec les noms de personnes de sa famille et de personnes qu'elle ne connaît pas qui sont mortes, décédées à Auschwitz en 42. 20 ans plus tard, elle décide, 20 ans plus tard avoir reçu cette carte postale, elle décide de mener l'enquête. Et elle va remonter comme ça, petit à petit, l'histoire de sa famille et des déportations que ses ancêtres ont pu connaître parce qu'ils étaient tout simplement juifs. Donc voilà, celui-ci me fait énormément envie et je pense que je m'en rends compte, hein, j'ai quand même un attrait pour les histoires qui se passent autour des guerres. En fait, après les guerres et les répercussions que ça peut en avoir, et c'est aussi parce que je trouve, et c'est uniquement mon point de vue, mais pour moi, on a un devoir de mémoire. Les personnes ont perdu leur vie des années plus tôt dans nos pays. Et qu'on sait aussi que le maintien de la paix est toujours, on le voit en plus en ce moment, voilà, je ne vais pas partir loin, mais on le voit en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine. Le maintien de la paix est toujours un petit peu sur le fil. Et je trouve qu'on a un vrai devoir de mémoire. À travers tout ce qu'ont pu vivre des personnes qui ont vécu des guerres, la Deuxième Guerre mondiale, avant, après, celles qu'on ne connaît pas, parce qu'on est français et privilégiés. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais mis pour... Non, c'est pas du tout ce que j'avais mis pour cette catégorie. J'avais aussi inclus « Les oiseaux ne se retournent pas » de Nadia Naclé, que je n'ai pas là en main propre parce que je l'ai prêté à une de mes voisines. Ce chef-d'œuvre, ce bijou, si vous avez vu mon vlog, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce roman graphique. C'est une claque, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre et c'est un bijou. Et ouais, on parle d'amour, de mémoire aussi, de deuil, de gratitude, de guérison plus tard. On est dans un monde contemporain et on suit une jeune fille de 12 ans qui doit fuir son pays. On comprend que c'est un pays du monde arabe qui est malheureusement en guerre. Elle doit le fuir toute seule, sans sa famille, pour survivre et être libre. Donc voilà, encore un roman joyeux, gai, mais une merveille. On passe ensuite à la troisième catégorie de ce menu avec La Dame Chouette des îles Bouillantes, pour laquelle j'ai choisi, alors, d'écouter le tome 2 de Magic Charlie, parce que j'ai écouté en août, je crois, le tome 1 sur Nextory, que j'ai adoré. C'est un roman jeunesse, mais qui, je trouve, va aussi très bien aux adultes. On y parle de magie, et on y découvre donc Charlie, qui est un jeune garçon de 13 ans, je crois, ou 14 ans,
Et peu ou prou ses amis. Et Charlie se découvre à cet âge-là, en fait, magicien, d'une lignée de magiciens. Donc, c'est comme des sorciers, mais ce sont des magiciens. Et puis, il va arriver tout plein de choses à Charlie. J'ai fini ce tome 1 en août, donc c'est comme je vous disais, et j'ai très très hâte de lire le tome, enfin d'écouter le tome 2, d'autant plus que celui-ci aussi se passe dans ma région, et plus que dans ma région, il se passe à Aix-en-Provence, et c'est vraiment pour le coup des clins d'œil comme ça que j'adore, donc très hâte d'écouter ce roman-là. J'ai aussi choisi de mettre celui-ci. À chaque génération, In Every Generation, dans son nom en VO, de Kendare Blake. Bienvenue à New Sunnydale. Donc si on a par ici des personnes qui, comme moi, ont connu à l'époque la trilogie du samedi avec Charmed et Buffy et Supernatural, ça doit vous parler. Vous voyez même qu'on a le B de Buffy. Ici, on va suivre des années plus tard, la fin de Buffy, Frankie qui est la fille de Willow. Willow qui était la meilleure amie de Buffy, meilleure amie sorcière de Buffy. On suit donc Frankie qui est une sorcière, qui se dit sorcière écolo parce qu'elle pratique un peu une éco-magie, elle évite de gaspiller les choses, peut-être qu'elle réutilise des choses aussi. Elle est végane, donc je pense qu'elle évite aussi de trop utiliser des cœurs de moutons tout frais, par exemple. Et celui-ci, j'en avais entendu parler la première fois l'an dernier par Snowza, de la chaîne du même nom, Snowza, qui a adoré ce bouquin, et j'ai très envie de le lire, et je veux absolument le lire dans cette période halloweenesque. Et puis, si comme moi, vous avez adoré Buffy, je me suis refait les 5 premières saisons l'année dernière. Là, il faut que je termine la série. Série que je n'ai jamais terminée, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que si comme moi, vous aimez cet univers-là, il faut le lire. Il faut vraiment le lire, quoi. J'ai également choisi de mettre... c'est ici. Cette petite pépite visuelle. Hop là, c'est lourd. Petite pensée pour toi, Lucie. De Lucie Alu, si tu passes par là, c'est hyper tué. Le livre 1, La sorcière sans nombril, de Julia Thévenot. Pourquoi je fais un petit clin d'œil à Lucie? C'est parce que justement, elle me disait qu'il lui faisait très envie et qu'elle compte se le prendre. Et j'espère qu'elle va pouvoir se le prendre rapidement. Ici, on suit Horty, qui a commis un impair un jour de catégorie supérieure, qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Elle a une sœur qui s'appelle Épine, et une autre petite sœur qui s'appelle Ronce. Elle vient d'une famille de sorcières. Premier tome d'un diptyque de fantasy inventif, chaleureux et trash, une histoire de sorcières qui renouvelle le genre par l'autrice de Bord de Terre. On est vraiment dans une famille de femmes de sorcières. Qu'est-ce qu'Horty a fait pour déchaîner, que sais-je, les énergies de l'univers? Je ne sais pas, mais j'ai très hâte de le découvrir. Et enfin, pour clôturer cette catégorie de la Dame Chouette des Îles Bouillantes, je voulais montrer aussi, comme son prédécesseur, dans le dernier book haul qui est paru cette semaine, c'est The Midnight Order de Mathieu Babletz chez Label 619. On a tout plein d'illustrateuristes, d'artistes qui sont intervenus sur ce roman graphique. On y parle sorcières, on y découvre un ordre, donc de Midnight Order, de sorcières qui traquent les autres sorcières qui sont super puissantes. Il y en a peu, mais il y en a. Et un jour, comme ça, elles finissent par péter un plomb et devenir dangereuses pour tout le monde. Et c'est là que The Midnight Order intervient, l'ordre les capture et leur coupe les mains, là où réside leur pouvoir. On va avoir une des protagonistes qui ne supporte plus de faire ça, qui ne supporte plus d'avoir cette impression de voir partir son humanité à chaque fois qu'elle fait ça. Elle va quitter l'ordre. Et elle va vivre des aventures. Je ne vous en dis pas plus, mais je l'ai déjà lu et je l'ai énormément aimé. On passe maintenant à la dernière catégorie d'automne douceur de vivre, après quoi je vais aller checker que ça filme toujours bien, avec la loi fondamentale de l'échange équivalent. Pour cette catégorie, Guimoz nous propose de faire une lecture commune, par exemple, ou de partager un jeu, partager un moment série, film, faire un don, quelque chose. Ici, j'ai prévu, alors ma Cécilette, si tu passes par là, je te l'ai déjà dit, mais on s'est dit qu'on lirait
Mrs. Dalloway de Virginia Woolf ensemble. Ce sera une relecture parce qu'elle l'a déjà lue. Moi, honteusement, je ne l'ai jamais lue, mais je suis bien heureuse de découvrir ce classique aujourd'hui à l'âge que j'ai. Ici, ce sont les merveilleuses éditions, Tiber Éditions, qui font des livres illustrés, plus beaux les uns que les autres. L'illustratrice de celui-ci est Nathalie Novi, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec cette maison d'édition. Je voudrais vous montrer une illustration à l'intérieur. Ah, pas celle-là, c'est ma préférée, mais je vous montre une autre. J'ai peur qu'elle vous spoil si vous n'avez jamais lu cette histoire. Donc voilà, enfin, c'est une pure merveille. Donc écoutez, celui-ci, il y passe dans les mois à venir dans le cadre du Pumpkin, en lecture commune avec ma Cécile. Et je vous parlais de Lucie juste avant. On s'est dit, il y a la semaine dernière peut-être, il y a quelques jours, qu'on lirait Les Sept Maris d'Evelyn Hugo par l'autrice de Daisy Jones and the Six, des Sirènes de Malibu. De Malibu, je ne me rappelle jamais de son nom à cette autrice, je suis désolée. Elle l'a présentée dans un book haul, il me semble, et on a discuté, on s'est dit qu'on le lirait éventuellement en octobre ensemble. On a terminé avec Automne douceur de vivre et on passe tout de suite à l'avant-dernier tableau qui est Automne des bois et au-delà. Et je vais vite vérifier si ça continue de filmer. On passe donc à la première catégorie avec Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes. En référence à Mémoire de la forêt, le premier tome de Michael Brun-Arnaud. J'aimerais bien lire le deuxième, mais je ne l'ai pas en ma possession. C'est vrai que j'aimerais le lire pendant l'automne parce qu'il s'y prête. Mais si je ne me le procure pas, j'ai sélectionné trois livres. Déjà celui-ci qui est « Tant que le café est encore chaud » de Toshigazu Kawaguchi, qui est un livre de littérature japonaise. Je vous en ai parlé dans le hall de la vidéo juste avant. On y suit les tribulations d'un café qui se trouve à Tokyo, le Funiculi Funicula, qui est un établissement au sujet duquel circulent tout plein de légendes, parce qu'on y dit qu'on peut voyager dans le passé le temps d'un café et tant que ce café reste chaud. Une règle est qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé dans le passé. On va suivre quatre femmes qui vont connaître cette singulière expérience. J'ai mis aussi dans cette pioche à lire La mémoire du thé de Lisa Si chez les éditions J'ai lu. Ici, ça se passe en Chine, dans les années 90. On est au sein d'une tribu du peuple Hakka, un peuple chinois qui vit de la récolte archaïque du thé. Vraiment une récolte à l'ancienne. Archaïque, c'est écrit dans la quatrième, c'est pas moi qui l'invente. Et qui vit aussi autour de principes religieux très stricts. On va suivre Lian, la première de sa famille qui sait lire et écrire et qui, en fait, elle rejette ses traditions, elle a envie d'ailleurs. Et elle va aller poursuivre ses études malgré les réticences de sa communauté, sauf qu'elle va un jour tomber enceinte, être obligée de retourner chez elle. La loi Aka tombe et elle n'a d'autre choix que de tout abandonner, sa vie, ses études et son enfant qu'elle dépose sur les marches d'un orphelinat accompagné d'une galette de thé. Les années passant, le souvenir de cette tragédie la hante, tandis qu'à des milliers de kilomètres, une jeune femme part à la recherche de ses racines. On est vraiment dans un roman qui va sûrement être poignant et qui tourne autour de, voilà, de cette relation entre ces deux femmes et aussi cette dichotomie entre l'envie d'avoir une vie plus moderne et de continuer à vivre avec ces traditions anciennes. C'est donc de la littérature chinoise et j'ai très envie, depuis Pachinko de Min Jin Lee que j'ai lu il y a un an et demi, deux ans, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai très envie de lire plus de littérature asiatique. Donc écoutez, ça sera aussi l'occasion de, si je le lis pendant ce Pumpkin, sinon plus tard. On a fait le tour de cette première catégorie et on passe donc à La légende de la hache noire. Ici, j'ai choisi de lire le tome 2 des Whelan, qui est L'île du destin. J'ai lu, enfin découvert et terminé le premier tome il y a peu. Et donc j'ai eu très envie de continuer. Je ne vais pas vous en parler trop en détail là, mais si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de lire une saga française de fantasy jeunesse, mais qui quand même soulève des points qui parlent aussi très bien aux adultes, je vous le conseille. Je l'ai découvert donc très tardivement, mais j'aime beaucoup ce que je lis. On continue avec Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori chez Sarbacane,
que je vous ai montré aussi dans le book haul. Oui, ma fille, je te fais sortir après. Là, on est complètement dans la quête de Hustis, qui est un satyre. Se voit confier une mission par Hecat pour retrouver sa part divine. Et donc, on suit cette quête-là. Va-t-il réussir sa mission ou pas? Je ne vous le dis pas. Mais je l'ai lu celui-ci et je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et enfin, le troisième livre que j'ai mis, c'est Boomerang de Tatiana de René. Celui-ci. Donc un contemporain, je n'ai jamais lu encore de roman de l'autrice, je n'ai pas lu Elle s'appelait Sarah qui a été un succès international. Ici, on suit Antoine qui est au chevet de sa sœur, qui a eu un grave accident, qui allait lui dévoiler un secret. Et Antoine, en fait, il fait le bilan sur sa vie, sa femme l'a quitté, ses ados lui échappent, son métier l'ennuie, son vieux père le tyrannise. Comment en est-il arrivé là? Et surtout, quelle terrible confidence dans sa sœur cadette s'apprêtait-elle à lui faire? Entre suspense, comédie et émotion, Boomerang brosse le portrait d'un homme bouleversant qui nous fait rire et nous serre le cœur. Là, en fait, ce qui m'a donné envie de le mettre dans cette catégorie par rapport au mot-clé quête, épopée, mais surtout quête, c'est que... Antoine va partir en quête de ce secret, de ce que sa sœur avait à lui révéler avant son accident. Ensuite, on a la troisième catégorie qui est la mélodie infernale de la corne de chasse. Ici, quoi de mieux que moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris chez Monsieur Toussaint Louverture. Ici, donc, c'est un illustré vraiment particulier. Moi, j'adore les illustrations. Elles sont faites... aux billes, et on est un peu comme dans un journal intime qui se passe dans les années 60 à Chicago, c'est ça. L'histoire magnifiquement contée d'une fascinante enfant au cœur du Chicago en ébullition des années 60. Dans cette œuvre magistrale, tout à la fois enquête, drame familial et témoignage historique, Émile Ferris tisse un lien infiniment personnel entre un expressionnisme féroce, les hachures d'un Crumb et l'univers de Maurice Sendak. Honnêtement, on est dans un livre un peu what the fuck comparé aux catégories qu'on peut connaître. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne peut pas vraiment le mettre dans une catégorie particulière, si ce n'est roman graphique ou tout au moins juste illustré. J'ai commencé déjà à le lire il y a quelques temps et celui-ci, j'essaye de le savourer un peu comme ça. C'est un petit bijou. Et l'autrice, chez Monsieur Toussaint Louverture, va sortir, il me semble, le deuxième tome, en fait, puisque là, c'est le livre premier. J'ai également choisi de mettre Swan Song de Robert McCammon et pas Backcammon. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Ici, c'est donc le premier tome, Le Feu et la Glace. Je ne vais pas forcément vous en parler plus parce que vous avez très sûrement dû le voir passer maintes et maintes fois depuis sa sortie avant l'été, il me semble. Mais je ne sais pas, moi sur la couverture, ça me fait penser à des créatures ou tout du moins des êtres humains qui, de toutes les manières, puisque ça se passe dans un univers post-apocalyptique où il y a une guerre qui a éclaté et où il y a des poussières radioactives, je me dis qu'on peut caler ça dans le côté créature-monstre parce que les gens, mon Dieu les pauvres, à force d'être soumis à la radiation, ben, ressemblent plus peut-être à des créatures qu'à des êtres humains en pleine santé. C'est un peu nébuleux. Je vous l'accorde. J'ai également prévu de revoir La Famille Adams, évidemment, parce que c'est un de mes films préférés et de mes films d'amour. Et ça rentre très bien dans le côté monstre, créature, tout ça. Et enfin, pour la dernière catégorie, on a Rocket Raccoon on the Run. Ici, j'ai choisi de lire, hop là, trois œuvres complètement différentes, mais qui s'inscrivent tous les trois dans la SF. Donc tout d'abord, Le Serpent, la Maison des Jeux, tome 1 de Claire North, chez la collection Une Heure Lumière de Le Bégal. Je l'ai commencé hier soir. J'ai pas lu énormément, j'ai lu 40 pages, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu déjà. On rentre quand même rapidement dans le vif du sujet. Ici, on est à Venise, au XVIIe siècle. On va suivre Ténétène, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit T-H-E-N-E, qui est une jeune femme qu'on a mariée à un homme absolument exécrable. Elle va découvrir avec lui l'univers du jeu, rejoindre la haute loge. On comprend que Ténétène va rejoindre cette loge et va devoir jouer à une toute autre échelle, une maison des jeux qui est un palais avec une hôte et une
basse loge. Dans la basse loge, on retrouve les gens comme vous et moi, les gens qui viennent jouer pour la première fois, puis ceux qui ne sont pas repérés pour rejoindre la haute loge. On comprend que Tenéten va rejoindre cette loge et va devoir jouer à une toute autre échelle. Pouvoir politique à l'échelle des États, souvenirs, dons et capacités, années de vie, etc. Et donc, comment est-ce que ça va se passer pour Ten, pour Tené? Est-ce qu'elle va oublier aussi que plus élevés sont les enjeux, plus dangereuses sont les règles? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup ce que je lis jusque-là. Et pour le coup, la forme est vraiment super, je trouve. Le style est particulier et j'aime le côté très dynamique avec des petits chapitres. J'ai également choisi de lire ce classique de SF que je n'ai encore honteusement jamais lu, mais que je suis très 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 impatiente de découvrir, qui est Des fleurs pour Algernon. Là, c'est l'édition augmentée chez J'ai lu de Daniel Keyes. Je pense que vous avez dû en entendre parler, mais si jamais ça n'est pas le cas, Algernon, c'est une souris. C'est une souris de laboratoire qui a subi donc des traitements qui ont eu pour effet de décupler son intelligence. On passe donc à une expérimentation humaine sur Charlie Gordon, qui est dit comme un simple d'esprit. Et en fait, il y a un éveil à la conscience de Charlie. Le jeune homme découvre un monde dont il avait toujours été exclu. Et l'amour qui naît entre lui et Alice achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés de la souris d'Algernon déclinent. Et donc, on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à Algernon. Vraiment, celui-ci, je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, c'est même quasiment sûr. Et j'ai glissé un achat de ce week-end que j'ai commencé aussi à lire, qui est une BD de chez Gallimard. C'est une saga, c'est 5 mondes. Le premier tome, Le Guerrier de Sable. Ici, on est complètement dans de la SF, on a une quête initiatique et on est dans un univers vertigineux et une épopée à la dimension écologique, et c'est ça qui me plaît énormément. Le but, c'est de le lire, de l'apprécier moi en tant qu'adulte et de le mettre à disposition du petit tout quand il sera en âge de le lire. Les dessins sont super jolis, j'aime beaucoup pour le moment les personnages qu'on a rencontrés, ça va très très vite. Et ouais, c'est de la jolie SF qui déjà, j'en suis à une centaine de pages, vous pose de jolis questionnements. On peut donc maintenant passer au dernier menu, dernier tableau qui s'appelle Automne rayonnant. La première catégorie est toujours We will always find a way. Ici, j'ai choisi de mettre 3 romans. Le premier, pour le mot-clé en fait, feel good, j'ai mis La balade du feu d'Olivier Mac Bouchard chez Le Tripode, qui est ce joli objet livre que j'aime beaucoup. Pourquoi feel good? Un jour de septembre, un jeune homme perd son emploi, il pense que c'est la fin, il a tout faux, c'est le début d'une autre vie où l'accompagne bientôt un chat en smoking et un rapace qui a des envies d'ailleurs. Sans oublier un frère, le plus beau représentant des blaireaux, une abonnée aux 30 millions d'amis et un homme qui joue avec le feu. La balade de feu est un roman sur les erreurs d'orientation professionnelle, de géolocalisation. Les erreurs que l'on peut faire quand on croit que la vie ne nous appelle plus. On y parle des jours où on se demande ce qu'on a fait au bon Dieu. Ces jours où vous auriez pu dire non, mais où allez savoir pourquoi vous avez dit oui. C'est un auteur qui est du coin, qui est du Luberon, donc il est aussi de la région PACA. Et dans cette catégorie, puisqu'on est quand même sur des mots-clés de diversité, d'inclusivité, feel good aussi, de singularité, comment ne pas mettre la queen, la reine, la génialissime Becky Chambers avec un psaume pour les recyclés sauvages, histoire de moines et de robots. On suit la vie de Dex, qui est un moine de thé, qui est genré de manière inclusive. Donc dans la version anglaise, quand on parle de lui, on dit « they », et dans la version française, on dit « yel », et ça fait un bien fou, vraiment, de trouver des écrits comme ça, inclusifs. Puis il devient moine de thé, et puis un jour, il rencontre un robot qui, fidèle à une vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Et le robot va lui poser la question suivante, de quoi les gens ont-ils besoin? Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge, dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus? On a Martha Wells qui nous dit « La vision optimiste d'un monde fertile et beau qui s'est reconstruit après avoir frôlé la catastrophe, l'explorer aux côtés de deux personnages principaux »
est une expérience fascinante et délicieuse. Je vous en parlais dans le vlog, la vidéo que j'ai sortie juste avant. Je ne tarie pas d'éloges sur Becky Chambers. Becky, c'est ma pote. Mais voilà, on est toujours dans de la SF hyper positive, hyper inclusive, hyper optimiste. Et il y a toujours de beaux messages derrière. Et ça va aussi dans le côté feel good parce que vous vous sentez bien quand vous avez lu du Becky Chambers. Et enfin, toujours dans cette catégorie, j'ai mis un deuxième Becky Chambers. Et celui-ci sera lu de toutes les manières en priorité. Car il s'agit, sans surprise si vous avez vu encore une fois mon haul juste avant, de Libération, le tome 2 des Voyageurs. Ici, on retrouve Lovelace qui est un personnage particulier du premier tome, de l'espace d'un an. Et on retrouve aussi Poivre qui est une mécano qui vit toute seule sur une planète, qui est un personnage qu'on a croisé rapidement dans l'espace d'un an. Et toutes les deux vont vivre ensemble. Lovelace va apprendre à vivre avec sa nouvelle réalité. Et Poivre va aussi l'aider, justement. C'est l'histoire de deux femmes. Chacune, à sa façon, s'arrache à une vie liminale pour se tailler une identité, conquérir l'indispensable, la dignité. Je suis vraiment, vraiment empressée de lire ce deuxième tome. Comme je disais dans la vidéo d'avant, j'ai mis un temps fou avant de me le procurer, mais c'était parce que... C'est parce que j'ai une envie folle de faire durer cette saga, qui est une saga... j'ai lu que le premier tome, mais je sais déjà que l'entièreté de la saga sera une saga d'amour. Et c'est Pénélope de la chaîne Plop in a Bubble qui a terminé la saga, qui a lu, elle a fait un update lecture, elle a terminé le dernier tome, et elle dit qu'elle est triste quelque part de l'avoir terminé. Elle est contente et heureuse, parce que c'était magnifique, mais qu'elle est triste de l'avoir terminé, parce que maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'en est tout pour cette première catégorie. On passe donc à la deuxième catégorie, qui est L'esprit indomptable de Jo March. C'est tout naturellement que j'ai choisi de lire, toujours chez les éditions Tiber, Little Woman. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on appelle ça les quatre filles du docteur March, mais ce sont des gamines et des personnes et des femmes, parce qu'on va les suivre sur plusieurs années, qui existent en tant que telles, qui n'ont pas besoin de leur père pour exister. Et d'autant plus que le père, on en parle uniquement parce que c'est leur père et qu'il est parti à la guerre. Mais je trouve c'est vrai que ce titre est un peu... il est terriblement sexiste et beaucoup trop français à mon goût. j'ai également décidé de lire deux livres que je vous ai présentés donc, dans le haul, la vidéo précédente. Donc Méduse de Martine Desjardins, dont je ne vous parle plus, parce qu'on parle de place de la femme, parce que je ne pense pas qu'on va parler de sororité, mais on a ici une écrivaine, et je pense qu'on va parler d'indépendance aussi de Méduse. Donc très envie encore une fois de le lire. Et j'ai choisi également de mettre, tout naturellement, Et à la fin il meurt, La vérité sur les contes de fées de Lou Luby. Évidemment que je l'ai mis dans cette catégorie, et évidemment qu'il va être lu, puisqu'il est déjà lu à 100 pages, comme je vous le disais dans le haul juste avant, et que c'est une pépite, que c'est drôle, je vous le disais, c'est caustique, c'est hyper intelligent, on apprend des choses. C'est clairement un livre à mettre entre les mains de tout le monde, femmes mais hommes aussi, s'il vous plaît, et jeunes femmes et jeunes hommes. Et donc voilà pour cette catégorie. Je ne vous ai pas spécifié, mais mon Méduse, mes deux bouquins de chez de Becky Chambers viennent des éditions La Talente, une maison d'édition que j'aime d'amour, parce que maison d'édition, vous devez souvent l'entendre par ici, mais de qualité. Allez, on va terminer. Ça n'est pas du tout une tannée pour moi, c'est juste que vraiment là, ça commence à être physiquement douloureux. La dernière catégorie, et pas des moindres, donc de ce dernier menu automne rayonnant, est Shulaboon, Va mon amour, qui est donc toujours en hommage à Maureen du bazar de la littérature. Ici, on est dans du nature writing, idéalement dans de l'Irlande et du petit peuple. J'écoute aussi Gardien des cités perdues en audio, saga que j'ai découvert cet été, enfin dans laquelle je me suis enfin lancée cet été en audio. Là vient de sortir le tome 4, je m'étais arrêtée donc au tome 3. J'adore cette écoute. La lectrice est vraiment, c'est une actrice, hein, une doubleuse professionnelle. Elle est vraiment très bonne. Sa manière d'interpréter les personnages est super. Ça participe du coup du plaisir que je prends à écouter cette saga.
Et les personnages sont cool, l'histoire est super cool et on a de fait du petit peuple parce que on a des elfes et puis on a des gnomes, tout ça. Et j'ai choisi dans ma bibliothèque l'histoire des abeilles de Maya Lund. Ici, on va suivre différents personnages du monde entier qui ont à leur manière une relation privilégiée avec ces insectes. Chacun à son époque rêve de changer l'avenir, d'offrir à ses enfants des lendemains meilleurs, d'inventer, de transmettre ce qu'il sait ou croit savoir. Car les abeilles disparaissent inéluctablement et dans l'indifférence. Victimes de notre espèce, elles en seront peut-être le salut. Donc je pense que ça va pas être une lecture facile, mais c'est vraiment une lecture que j'ai envie de faire. Il faut savoir quand même que j'ai une grosse sensibilité avec tout ce qui touche l'écologie et malheureusement la collapsologie, tout ce qui touche à tout ce qui touche en fait à dépeindre notre situation et ce qui risque et ce qui va inéluctablement arriver, et que j'ai une grosse aussi sensibilité à tout ce qui touche les animaux, les insectes, tout ça. Donc voilà, je me fais un petit peu peur pour ça, mais j'ai très envie de le lire cette année. Si je ne le lis pas, de toutes les manières, De pierre et d'os de Bérangère Cournu va y passer. C'est vraiment le récit d'une jeune femme, une jeune Inuit qui, à l'aube, en fait, une nuit à l'aube, se retrouve complètement séparée de sa famille, de l'igloo de sa famille, parce qu'il y a eu un craquement de la banquise et elle doit survivre. Elle est en compagnie seulement de la chienne de tête de son père et de deux ou trois autres chiens. J'ai très peur aussi qu'il y ait de la perte animale, donc c'est un livre qui me fait très peur, mais j'ai très envie de le lire et de le découvrir. Et enfin, j'ai mis dans cette catégorie, vous me demanderez sûrement pourquoi, mais je vais vous expliquer, La mariée de corail de Roxane Bouchard, qui est le deuxième tome et le deuxième livre publié par Roxane Bouchard chez les éditions de L'Aube, dans la collection L'Aube Noire. Dans le premier tome, qui avait été un coup de cœur pour moi, l'enquête était vraiment en fond de récit. Et vraiment, c'était un récit incroyable sur la nature en Gaspésie, sur les relations humaines en Gaspésie, sur une histoire de filiation, de relations humaines comme ça. Et c'était incroyable, c'était magnifique, ça a été un énorme coup de cœur. Et c'est tout naturellement que quand le deuxième tome est sorti, je l'ai absolument voulu, je le laisse un petit peu traîner. Mais je pense qu'il y passera aussi parce que, bon, on est dans un policier, certes, mais on est vraiment, vraiment, vraiment dans une lecture très nature, avec la mer en fond, le froid, j'ai très hâte de le lire aussi. Je me suis dit que je le mettrais ici parce que, certes, on est au Canada, mais on parle de nature dans ce roman. Et on y est arrivé. On a terminé. On a enfin terminé cette vidéo. Je pourrais mettre le tournage de cette vidéo dans la catégorie quête et épopée. J'ai été, quoi qu'il en soit, ravie de vous tourner cette pioche à lire. Encore une fois, tout ne sera pas lu. Et c'est OK, j'ai envie de vous dire. C'est OK, c'est normal. J'ai été ravie de vous retrouver. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné peut-être des idées. Si jamais vous avez des livres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des lectures que vous voulez faire en commun, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, parce que j'adore ça. J'espère que vous allez bien. Merci d'être ici encore. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. On est peu, mais on a passé la barre des 100 et pour moi, c'est vraiment une super surprise et ça me fait chaud au cœur. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à me mettre dans la barre d'infos les liens de vos piles à vous, que ce soit en vidéo, en post Insta ou quoi, ou qu'est-ce. Je serais ravie de les découvrir, j'adore regarder ces vidéos, j'arrête pas d'en regarder d'ailleurs. Et écoutez, soyez doux avec vous, je vous embrasse et je vous dis à tout vite.